avais, tu as quitté la cour de ton oncle. Là-bas, ils ont... Parle fort. Ils ont dit avant que la femme a... C'est un jour qu'on a su qu'il était sorcier. Parle fort. C'est un jour la femme a su qu'il était sorcier. Il était là à laver mes slips au dehors. Et puis, les gens qui ont fait sorcier, eux, ils ont pris l'apparence de mes amis du quartier. Et puis, ils sont venus me parler. Pour dire, quand j'ai essayé de laver, des pompes venaient me mettre devant la porte. Comme mon oncle va marcher là-dessus, son pied va s'enfuir. Le maman va tout le travail. Et puis, ils ne vont pas le payer. Donc, c'est ça. Et c'est venu faire. La femme m'a vu, m'a dit, viens faire quoi? C'est lui a dit. Et puis, ma tante a dit de venir à partir de moi à l'église. Quand je suis parti là-bas encore, le même jour, le Messie devait s'y sortir de mon corps. Comme son fils a eu l'intelligence que moi. Donc, je suis jaloux de lui. Il n'a pas qu'il puisse partir à l'école. En sorcellerie, il a vu piquer un poulet dans sa gorge. Comment? Arrête de poisson. On a pu manger. Mmh. Et puis, il a mis ça dans sa gorge. Parce que comme s'il n'arrivait pas, il n'y a pas eu. Donc, c'est dans ça que je suis ça. Ils m'ont envoyé à un camp de prière à Issia. À Issia, avant encore que je suis parti. Là-bas. Je ne quittais pas ce qu'on me disait. Parce que je ne voulais pas quitter la sorcellerie. Et puis, je n'aimais pas la parole de Dieu. Comme je ne parle pas de Dieu, ça m'énervait. Donc, dans ça, quand mes amis sont priés, je fais seulement d'aller prier. Je fais seulement d'écouter ce qu'ils disent. Mais ils n'écoutaient pas. Je pensais à nourriture. Je pensais à comment ils allaient faire pour m'envoler la nuit. Quand on priait, quand on me dit de venir prier, je fais seulement une nuit, sinon je ne priais pas. C'est comme ça. On dit de rester pour ma délivrance. Et Dieu ne veut pas. Il a pleuré jusqu'à quand je suis venu ma tante à gagner aussi. Quand je suis venu, elle ma tante là. Maman est venue au village, maman pour me coucher. Elle est venue au village. Elle est venue à gagner là-bas. Elle a donné une voiture à checker. Et puis l'argent est parti. Donc elle a donné l'argent. Maman m'a donné 100 francs. Elle a donné 100 francs au fils de ma tante. À gagner là-bas, il s'appelle Abdou. Donc, lui, son argent, il a fait vous, il a mangé. Il dit, moi, pour moi, le poisson, quand il paye le poisson, c'est là où il dit non. Il m'a arraché mon argent. Il a jeté ça sur la toiture. Il m'a donné Corota. Il m'a donné Corota. Mes dents, il a transformé ça en dents de chien pour le mordre. Son bras, là, c'est devenu, ça s'enflait. Quand il m'a demandé, il dit, c'est pas moi. Non, c'est sans ça. Ils m'ont envoyé chez mon oncle. Et je vous dis, ça va Toto Alain. Depuis Alain, ils m'ont envoyé chez lui avant. La nuit, ma grand-mère, elle dit on ne peut pas résister dans la cour du Toto. Elle a fait tout, elle est partie au village. Elle dit d'abord de chercher à tuer le fils du Toto. Dans la nuit, il me s'est levé. Il partait serrer son cou. Et maintenant, il a caché le feu qui m'a brûlé avant. Est-ce qu'il y a un pouvoir dans Bouddha? Non, il n'y a pas de pouvoir dans Bouddha. La bouddhiste, c'est des sorciers. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas plus d'or. Il n'y a pas qu'on puisse savoir qu'il fait quelque chose. Je suis parti me coucher à terre. Donc, c'est la même chose que le lendemain matin. Ma grand-mère m'a dit de prendre mes bagages. Il est parti. Donc, il a pris mon sac. Il est parti. En même temps, il y a quelqu'un qui m'a dit retourne-toi. Puis, je me suis retourné. Comme je me suis retourné, il a commencé à vomir. Juste quand on m'envoie chez ma tante. Et puis maman est venue me chercher. Quand on est parti au village avant, et quand on est parti au village, je me suis assis. Qu'est-ce qu'ont les gens que tu as gâtés? La vie des gens que tu as gâtés, pas tués, dont tu as gâté la vie. Les tués aussi. Oui, mais c'est. Quels sont les gens que tu as gâtés dans la vie, tu as gâché la vie de qui et tout? Il y a mes frères. Avec... Tu as gâté la vie de qui? Alors, le premier fils de ma maman. Comment il s'appelle? Malon. Comment tu as gâté quoi dans sa vie? L'intelligence. Oui, tu as fait comment? Donc, oui. Toi, ta spécialité, c'est de gâter l'intelligence des gens. Oui, je suis envoyé. Oui, je sais. Mais tu gâtes l'intelligence des gens. Et quand tu utilises quel moyen, tu fais comment? Ça fait noir. Je sais pas pour faire. Et l'intelligence, c'est comment que tu prends? C'est petit. Comme ça, il met ça dans. Tu renverses Canary. Et pour dire que lui, c'est fini pour lui, il est renversé. Tu fais quoi encore? Je veux avant encore. Ma petite soeur, elle s'appelle Alison.
elle a son intelligence aussi. Et puis, tu mets un camarade. Et puis, un curé. Ça fait quoi encore? Et puis, maman, je m'ai couché. Dans notre monde là-bas, je l'ai marié. Ah oui? Non, bah, il ne veut pas que quelqu'un s'approche d'elle. Il l'a marié comment? On appelle ça l'inceste. Parce que son mari, parce que son mari avant, il s'est grand. Non, tu l'as marié comment? Il dit, tu as marié ta maman comment? Ma femme. Donc tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi avec elle? Je couche avec elle. Tu couches avec ta propre maman? Vous avez les enfants, là-bas? Non, non, c'est ça. Ce sont les enfants que j'aime beaucoup. Non, tu as eu des enfants et ta maman là-bas? Elle n'a pas accouché. Elle n'a pas accouché là-bas. Là, elle est enceinte. Là-bas. Elle est enceinte. Elle est enceinte spirituelle. Attention. Non, tu es enceinte. Tu es là, ton ventre pousse. Après, ça disparaît. On ne sait pas si c'est grossesse. Et toi-même, tu ne sais plus, tu ne comprends plus rien. Oh, il y a un petit qui t'a accepté. Spirituellement. Tu as gâté qui encore? Mes amis. Quoi? Mes amis. Amis, tes parents, là, c'est qui tu as gâté? Il sait qu'ici là c'est ton terminus, non? Non, c'est pas bien de remettre ta tête. Hé, regarde-moi bien. Tu t'es promis dans le cas de prière, n'est-ce pas? Ici là c'est ton terminus. Tu n'as pas le choix. Par exemple, tu dis tu vas dans le camp, tu ne pries pas là. Moi là, il y a deux choix à te faire. Si tu ne changes pas, hein, j'ai aidé ta famille. Je vous ai aidé à l'envoyer quelque part. Sous la terre. Comment toi, ton âge que tu es enceinte ta maman. Et tu penses que tu as réussi sur cette terre. Et toi, tu dis tu aimes la sorcellerie. Ouais, je l'ai écouté. Hein. Il dit il ne voulait pas changer parce qu'il aimait la sorcellerie. Il dit, ah, mais, je ne veux pas laisser. Pour ceci. Moi, j'aime les gens voyous. J'aime ceux qui n'aiment pas laisser sorcellerie. Nous, on a fait ça à cause de ça. Ceux qui ne peuvent pas laisser son sorcellerie, ah, j'ai besoin d'eux. Il y a deux choix. Ou tu es délivré, ou on te délivre. Il y a une manière de te délivrer si tu as mis sur la terre. Ça, c'est une bonne chose. Je te parle avec ma bouche. C'est une bonne chose. Non. Et pourquoi tu aimes la sorcellerie? Ma grand-mère, si essaie de quitter moi, mais tu viens avec. Toi, tu as peur de la mort et tu tues. Hein? Dans tes aveux, tu dis que tu as aimé la sorcellerie. Donc, on t'envoie dans un endroit pour te faire délivrer. Et toi, tu aimes la sorcellerie. Tu as pris goût à la chose. Tu aimes ça? Non, tu aimes. Pourquoi me dis tu aimes? Tu aimes la sorcellerie. Donc, tu as un pouvoir. Tu peux tuer les gens. Donc, tu peux me tuer. Je veux qu'on fasse une petite confrontation entre ce qui est en moi et ce qui est en toi. On peut? Non, il faut qu'on essaye un peu. Non, entre toi et moi. Comment? Je maudis la présence de la sorcellerie dans ce corps. Je détruis ton pouvoir par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Comment? Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus.
Sorcellerie est ton nom. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la présence de la sorcellerie dans ce corps au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Quand tu vas opérer là, dans ton pied gauche, là, c'est comme une lame, n'est-ce pas? Ça sort comme ça pour piquer les gens. Hein? Oui. Ton pied gauche là. Hein? Oui. Il y a comme une lame dedans. Pan, puis ça pique les gens. Bam! Le feu sur toi. Je maudis ta présence dans ce corps. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu t'écrase maintenant même. J'envoie le feu dans tout ton corps. Le feu du Saint-Esprit dans tout ton corps. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir. Et tu lâches ta vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Lâche-le. Tu vas libérer sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche sa vie. Tu quittes son corps et tu pars par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Il a un pouvoir là, dans son pied gauche. Il a un pouvoir là. Pendant que j'ai prié pour lui, j'ai senti, c'est comme une lame qui sortait comme ça de tes pieds, puis sur l'entrée. N'est-ce pas? Tu as un pouvoir là dans ton pied. N'est-ce pas? Tu n'as pas parlé de ça tout à l'heure. Ah, t'as pas fini. Comme tu dis, tu es fort. Je suis en train de le voir entre toi et moi. Qui est fort? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je détruis ton pouvoir. Tu veux être délivré? Oui. Yeah. Puissance de Dieu. Come on! Allez! La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Je te libère. Le feu dans tout ton corps. Le feu dans tout ton corps. Au nom de Jésus, maintenant même, je proclame ta délivrance. Libérez ce corps. Maintenant même, dans le nom de Jésus, lâchez-le. 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 Dieu. Dieu. Libérez ce corps. C'est un ordre. Vous lâchez sa vie. C'est un ordre. La puissance de Dieu te libère maintenant même. Sa puissance te libère. Lâche-le. 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 Libérez ce corps maintenant. C'est un ordre. Libérez-le maintenant même. Oui, lâchez-le. Lâchez-le. Quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? On est beaucoup. Vous êtes beaucoup. On est beaucoup. Vous êtes beaucoup. On est beaucoup. Vous venez d'où? Vous venez d'où? On a quitté au Sénégal. Vous avez quitté au Sénégal. Et comment vous êtes entré dans sa vie? Comment vous êtes entré dans sa vie? De côté de sa maman. De côté de sa maman. Comment vous êtes entré dans sa vie? On a fait des incantations. Des incantations. Et pourquoi? Pourquoi? Ce petit est trop mauvais. Il est trop mauvais. Il est mauvais comment? Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Dieu l'utilise.
Donc vous voulez le détruire. Qu'on veut tuer les gens. Oui. Qu'on veut tuer les gens. Oui. C'est lui toujours qui prie. Oui. C'est lui toujours qui prie. Oui. C'est pourquoi on est venu pour le tuer. Vous voulez le tuer. C'est la raison. On l'a rendu malade. Vous l'avez rendu malade. On a piqué dans son cœur. Vous l'avez piqué dans son cœur. On a piqué dans son cœur. Oui. Sa tête. Oui. Au niveau de sa nuque, ça lui fait très mal. Oui. C'est vous qui avez envoyé cette maladie. On lui a donné l'attention. Vous lui avez donné l'attention. Vous lui avez donné problème du cœur. On lui a donné infection. Au niveau de son sexe. Une infection, oui. Au niveau de la base de son dos. Oui. Ça chauffe. Oui. Ça chauffe. Oui. Tu ne peux pas dormir la nuit. Ok. C'est nous. C'est vous. C'est nous. Oui. On veut détruire sa vie. Oui. Cet enfant. Oui. Cet enfant a une étoile. Oui. On a vu ça. Oui. Si on laisse, il va nous détruire. Il va vous détruire. Il va nous détruire. Oui. Il va nous empêcher. Oui. De tuer les gens. Oui. C'est pourquoi on est venu pour le tuer. Ah, c'est pourquoi on est venu le tuer. On est venu pour le tuer. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas le tuer. On est venu pour le tuer. On ne pourra pas le tuer au nom de Jésus. Il aime trop prier. Il aime trop prier. J'ai détruit l'infection au niveau de son sexe. On veut tuer sa petite soeur désirée. J'ai détruit l'infection au niveau de son sexe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je libère. Au nom de Jésus-Christ, son sexe. Dans le nom de Jésus. Je proclame. Cette présence au niveau de son dos, dans son cœur, au niveau de sa nuque, cette présence, je me dis. On donne l'attention. Oui, au nom de Jésus. On prend son sang. On prend son sang. Vous le libérez maintenant. Tous ces dons spirituels. On a pris tous ces dons spirituels. Il ne peut plus rien faire. On a tout pris. Vous allez le libérer. Vous m'attendez? Vous allez le libérer. Vous allez me libérer ce corps. Lâchez-le. 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 C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Vous êtes convaincu que Dieu l'a choisi. Vous êtes convaincu qu'il a une étoile. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Vous m'entendez? On ne pourra pas tuer aussi sa sœur. Côté de sa femme. Oui. Côté de sa femme. Oui. J'initie. Oui. Tous les enfants. Tous les enfants. De sa sœur Candice. Vous allez libérer toute sa vie. Vous allez libérer toute sa vie. Vous lâchez son âme. Vous m'attendez? Lâchez-le. Libérez son cœur. J'ai détruit la présence de la maladie dans son corps. J'ai détruit la présence de la maladie dans son corps. Lâchez-le. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Vous les libérez et maintenant même. Feu! Lâchez-le. Lâchez-le. Libérez-le parce qu'il va servir l'Éternel, notre Dieu. Vous lâchez son cœur. Vous lâchez son cœur. Lâchez son cœur. Lâchez-le. Il est parti Pétia. Il est devenu riche. Elle allait Pétia. Elle a Pétia. L'argent est parti Pétia. Il veut devenir riche. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous avez gâté. On a gâté. Le petit neveu de sa femme. Il a gâté le cœur de l'enfant. Qu'elle n'en mâche plus. Qu'elle n'en mâche plus. Faut pas là. Voilà, tous les jours. Vous allez faire quoi encore? Gâter son fils Yannick. Il m'a donné la sang. Gâter quoi? Son fils. Oui. Il s'appelle Yannick. Oui. On a donné l'asthme. Asthme, oui.
Qu'est-ce que vous avez gâté encore? Son fils, il s'appelle Joël. Oui. On veut lui donner la sorcellerie. Mm-hmm. Si on ne peut pas prier pour lui, on fait tout, ça ne marche pas. On fait tout, ça ne marche pas. On envoie des gens chez lui, des servantes. Quand on voit les servantes, Dieu passe par lui. On fait tout, ça ne marche pas. Et son fils, il a dit qu'on lui a donné l'asthme. On lui a donné l'asthme. Cet enfant dort ici dans la vie. Lâchez-le maintenant. Ah. Feu ah. Feu ah. Feu ah. J'ai détruit votre présence dans ce corps. Je libère son dos. Au nom de Jésus. Je libère son dos. Je libère son dos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis votre présence dans ce corps. Je maudis votre présence dans ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Je proclame. Feu! On s'en va. Lâche-le. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Tu nous brûles, on s'en va. Feu! Tu nous brûles, on s'en va. Feu! On s'en va. Feu! On s'en va. Lâchez-le. On s'en va. Lâchez-le. On s'en va. Lâchez-le. On s'en va. Lâchez-le. On s'en va. Vous le libérez maintenant. On s'en va. C'est un arbre. On s'en va. Lâchez-le. On s'en va avec la maladie. Oui, allez-y. De son cœur. Oui, allez-y. Avec la maladie de sa nuque. Au nom de Jésus. On va avec la tension. Oui. Tout ce qu'on a fait. Oui. On lui donne son pouvoir. Au nom de Jésus. Tout ses dons. Au nom de Jésus. Ses dons. Au nom de Jésus. Ses dons. Ses dons. On lui donne ses dons maintenant. Oui, allez-y. On lui donne ses dons maintenant. Libérez-le. On libère sa richesse. Oui. Libérez-le. On libère sa richesse. Oui, libérez-le. On libère sa richesse. Oui, libérez-le. On libère sa richesse. Oui, libérez-le. Oui, libérez-le. Comment ? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-y. Allez, allez. On libère sa richesse. Et libérez sa richesse. Au nom de Jésus. Il peut dormir. Au nom de Jésus. Amen. Il peut dormir tranquillement. Amen. C'est un mot de dos. Oui. Mot de dos. Oui. Mot de dos. Oui. Il ne peut pas dormir la nuit. Oui. Il peut rien faire oui. Sa femme. Oui. On le libère. Oui. On le libère. Oui. Libéré. On le libère. Oui. Libéré. On le libère. Au nom de Jésus. On le libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne veut pas qu'il serve Dieu. Oui. On a tout fait. Oui. On a tout fait. Oui. On a tout pour le libérer. On ne peut pas. Allez, allez-y. On s'en va. Allez-y. Allez-y. On s'en va. Allez-y. Allez-y. On s'en va. Allez-y. On s'en allez-y. Va. Feu. Feu. Allez-y. 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 Libérez-le. Son cœur. Oui, libérez-le. On lâche son cœur. Oui, libérez-le. On lâche son cœur. Oui, libérez-le. On lâche son cœur. Libérez-le. On lâche son cœur. Libérez-le. On a fait des au nom de Jésus. Plus de 500. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus. Te libère. Sa puissance. Te libère. Sa puissance. Te libère. Lâchez-le. Allez-y. Lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Suivez-le. Ça va? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Ça va? Ça va? Ça va? Comment tu parles pas, ça va? Toi, ton histoire de mes bras, c'est pas la. Ok. Je te communique la puissance de Dieu.
communique la puissance de Dieu. Communique la puissance de Dieu. Communique la puissance de Dieu. Je te communique la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comme Dieu renouvelle en toi tout et restaure ta vie. La puissance de Dieu. Dieu renouvelle en toi tout et restaure ta vie. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. 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 Quelque chose se passe dans sa vie. Quelque chose. Voilà. Je vais la détruire.
maintenant, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Libère totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Libère. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Maintenant, lâche-la. Quitte totalement sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La délivrance. Quoi t'appelles? M'appelle Tranjou. Tranjou Nadej. Quoi? M'appelle Tranjou Nadej. Tranjou Nadej. Tranjou Nadej. Oui, allons-y. Tu es une sorcière. Une sorcière. Vraie, vraie sorcière. Qui t'a donné la sorcellerie? Ma grand-mère. Ta grand-mère. Comment t'as donné la sorcellerie? Oui, il dormait dans mon fond. Elle m'a envoyé la jambe. Parle fort. Je dormais, je t'ai envoyé la jambe. J'ai mangé, je t'ai envoyé du sang. Dans le calvaire. Puis la neige, je l'ai fait. Elle a dit que je l'avais fait. Elle dit, elle n'est pas là, c'est lui. Donc maintenant, elle m'envoie dans les villes. Dans les villes. Ça veut dire que tu vas dans les villes, tu quittes ici, tu peux aller à Korogo, tu peux aller à Tui pour faire la mission. Il faut expliquer. Moi, je vais dans les villes de Taloa. Je vais à Boisle. Comment tu te déplaces comment? Il t'envole. Tu as tué combien de personnes? Ouais, c'est 200 personnes. 200 personnes. Tu les tues comment? Parce que je me perds pied dans les chopiers et invoque les noms. Je me perds pied dans les chopiers et invoque les noms. Tu invoques les noms. Puis tu les tues comment? Quand l'âme vient là, je les transforme en animal. Nous allons nous tous tenir debout pendant qu'elle entend parler. Je sens qu'on doit prier. Tu mets ta main sur ta tête. Et pendant 15 minutes, tu vas prier et déclarer la mort sur tous ceux qui ont vu la ta vie. Pendant 15 minutes, je vais te donner ça. Pendant 15 minutes, tu pries à haute voix. Tu vas commencer à déclarer la mort sur tous ceux qui ne veulent pas ta prospérité. Commencez à prier. Nous sommes la